parle pas trop fort parce que j'ai des voisins quand même. Bon, j'ai bien dormi. Le jour est levé à Lisbonne. Et là, je vais me préparer parce que dans 3 quarts d'heure, quelqu'un vient me chercher pour me faire visiter la ville en sidecar. 3 heures de balade, ça va être trop bien. Mais avant toute chose, il faut que je me maquille un petit peu parce que j'avais envie. Et il faut que je trouve une solution pour que mes cheveux ressemblent à quelque chose. Sauf que j'ai pas d'huile ni rien. Du coup, je pense que je vais faire une solution un peu bizarre. J'ai un déo wild qui est majoritairement à base d'huile ou de choses comme ça. Je vais essayer d'en mettre dans mes cheveux. Écoutez, on verra ce que ça donne. Retournement de situation, j'ai fini mon tour en sidecar. Et en fait, il a un mec qui doit s'entraîner en sidecar pour un tour qu'il a lundi. Et il m'a dit, bah passe la journée avec lui, comme ça tu continues de te balader, il t'amène voir des trucs et tout. Et lui, il s'entraîne et voilà, les Portugais sont adorables. Donc je vais passer l'après-midi avec lui parce qu'il voulait pas que je sois toute seule. On va aller manger du bacalao. Pataniska de bacalao. C'est bon. C'est pas bon? Si. Ah, et maintenant, il va manger les petits fruits qu'il est en gingembre. C'est bon? Oh, elle aime le fruit. Non? Tu avais un autre pour manger aussi. Non? Me régale. Je m'arrête à un pas de porte là. Parce qu'en fait, je voulais aller à un resto, mais j'ai pas faim. Et du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que t'as envie de faire, Pascaline? Et ce voyage, le but, c'était vraiment de ça, c'était de comprendre bah, qu'est-ce que t'as envie, de quoi t'as envie, quand. Et pas de le faire par obligation. Et là, bah je sais pas. C'est étrange, non? J'avais envie de voir le coucher de soleil, ça oui. Mais j'ai pas spécialement faim, sachant que je me suis gavée de gâteau. Très bon, ceci dit. C'est se mettre un peu face à soi-même. Et savoir écouter et s'écouter. C'est assez perturbant. Je sais pas ce que je vais faire. Ah oui, et j'ai eu un petit coup de tristoune vite fait avec le coucher de soleil en me disant que je voyais tout le monde se prendre en photo avec ses amis et tout. Et moi non. Alors j'ai profité de la vie, j'ai profité de mon moment. J'avoue, ça m'a un peu manqué. C'est bon, j'ai décidé ce que je voulais faire. Je vais faire le tramway de Lisbonne, mais de nuit, parce que j'ai pas faim.
Je viens de rentrer de ma petite balade nocturne, c'était trop chouette. Et j'ai oublié de vous dire que cet après-midi, j'ai également coché d'autres nourritures que j'ai mangées avec mon guide. Et il m'a fait goûter une spécialité portugaise. En fait, avant de manger, tu grignotes ça un peu en apéro. Ce sont des petites sardines frites. Et tu les chopes par la queue et tu bouffes sa tête. Autant vous dire que je l'ai fait parce que j'aime la culture et que j'aime découvrir des choses. Mais c'était pas mon meilleur moment de la journée. Ça a fait beaucoup rire. Beaucoup, beaucoup rire. C'était très chouette de rencontrer des gens, de partager des moments avec des inconnus. Mais là, je suis rentrée. Demain, j'ai une journée que j'ai envie de passer un peu plus toute seule. Je vais aller me balader, ça va me faire du bien. Vous verrez ça. Et puis, j'ai rien trouvé à manger. Donc, du coup, là, j'ai mes pâtisseries et une compote. Et on verra demain matin. Mais en fait, j'ai même pas faim. Je me nourris d'aventure. Ça sera la phrase du jour. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.